la haute hiérarchie judiciaire et la propriété progressive d'un certain nombre de médias, l'un des derniers épisodes étant le Figaro, conquis par Serge Dassault, l'héritier du lobby militaro-industriel. Mais ce n'est pas fini. Donc on voit bien que, à la fois, aujourd'hui, on assiste à des choses qui donnent un espoir formidable. Hier, dans Le Monde, vous avez vu, nous avons créé une association avec Maître Bourdon, qui m'a défendu contre les chefs d'État, et cette association a porté plainte au nom de sept paysans camerounais dont les plantations ont été massacrées par un exploitant forestier français. C'est extraordinaire. Et en fait, on en a tout à fait le droit, puisque Rougier est de droit français. Et par conséquent, nous avons créé une association pour porter les plaintes des gens qui sont victimes au sud des sociétés françaises. Et c'est tout à fait possible. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans le même genre. Pour la première fois, un trafic d'armes a été dénoncé par un petit juge, comme on dit. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a 40 ans, Maître Jacques Vergès a inventé la stratégie de rupture pour défendre les Algériens colonisés qui se battaient pour leur indépendance en disant: nous contestons radicalement la justice française. 40 ans plus tard, Maître Vergès a changé de camp et, avec les avocats des puissants, il est obligé d'inventer une stratégie de rupture pour essayer de déstabiliser les juges, Courroies, Van Humbeek ou les autres, qui sont en train de combattre les puissants. C'est quand même étonnant, c'est un signe d'espoir, ça. Quelque part, la justice aurait-elle commencé à changer de camp? Mais je pourrais vous donner des tas d'exemples. Il y a aujourd'hui tout un tas de procédures contre Sassou Nguesso, contre un certain nombre de dictateurs africains qui sont en train de naître à partir comment dire, des lois internationales sur les crimes contre l'humanité, des lois de compétence universelle, etc. Si vous voulez, le problème, ce que je voudrais vous expliquer, mais je n'ai pas beaucoup de temps, c'est que, en fait, dans la lutte entre la mondialisation mafieuse, criminelle ou des puissants, et la mondialisation des règles du jeu, la première, c'est comme un moteur au kérosène. C'est-à-dire, elle part à toute allure parce qu'elle saisit les opportunités. Et en fait, les gens comme vous et moi, les gens de la société civile qui se battent pour défendre un certain nombre de choses, c'est comme un moteur au diesel. Ils démarrent avec un temps de retard, ils attendent de s'apercevoir que c'est insupportable pour réagir. Mais rassurez-vous, dans l'histoire, les moteurs au diesel vont beaucoup plus loin que les moteurs au kérosène. C'est-à-dire que quelque part, ils commencent à comprendre, et je pourrais vous donner des milliers d'exemples, ils commencent à saisir les mécanismes, et à ce moment-là, la situation se retourne. Regardez tout ce qui s'est passé autour des paradis fiscaux. Il y a 3 ans, on aurait parlé des paradis fiscaux. Il y a à peine un Français sur 10 qui savait ce que c'était. Dans 2 ans, on fait un référendum en Europe pour ou contre les paradis fiscaux. En partie grâce à vous, on gagnera le référendum contre les paradis fiscaux. J'en suis sûr, parce que leur nocivité est en train de se connaître de plus en plus grâce à des organisations comme ATTAC, dont nous sommes cofondateurs, qui font un travail assez formidable à ce sujet. Je prends par exemple le problème du scandale du non-soin des Africains malades du sida. Bon, tout le monde pensait qu'il était impossible de faire quoi que ce soit. Le lobby pharmaceutique, c'est sans doute l'un des lobbies les plus puissants au monde en termes de corruption. Mais il y a 3 ou 4 petites associations qui ont dit: mais si on prive les Africains de médicaments, ça veut dire que le lobby pharmaceutique est un marchand de mort. Et ils ont dit: marchand de mort, marchand de mort, marchand de mort, marchand de mort. Mais le lobby pharmaceutique, c'est un fonds de commerce. Si lui, dont le fonds de commerce est marchand de vie, on lui dit marchand de mort, marchand de mort, marchand de mort, marchand de mort, qu'est-ce qu'il fait? Il recule, il recule, il recule. Et il n'a pas fini de reculer, il a commencé de reculer. On a trouvé la faille, parce qu'on a trouvé la faille dans le double langage. Autrement dit, les armes pour lutter, les armes du moteur diesel, sont beaucoup plus importantes que vous ne l'imaginez, et il n'y a pas lieu de désespérer. Et je vous assure qu'il y a, en matière de justice, des tas d'armes. Le comité pour l'abolition de la dette du tiers-monde a trouvé quelque chose de formidable. En 1898, en droit international, il y a eu un jugement où les États-Unis ont empêché Cuba de rembourser sa dette à l'Espagne, parce que l'Espagne avait installé une dictature à Cuba, et les États-Unis ont dit: c'est une dette odieuse, illégitime, parce qu'elle a été contractée par une dictature. Mais si on applique ce principe de droit international, il y a beaucoup de pays d'Africains qui vont vite être libérés de leurs dettes. Or, c'est les États-Unis qui ont mis le précédent en avant. Donc, on a quand même quelques armes juridiques. Et je pourrais vous en citer des quantités comme ça. Donc, il ne faut pas du tout jeter le manche avant la cognée. Il faut se dire: on a démarré plus tard, mais regardez le forum de Porto Alegre, le forum de Davos. C'est vraiment le concentré de l'étage supérieur. En 2 ans, Porto Alegre a ridiculisé Davos. Et ce n'est pas fini.
Donc il ne faut pas désespérer. Ben, je vais d'abord répondre à ces deux questions parce que c'est plus facile en s'en souvenant. D'où vient l'information ? L'information, elle est accessible. Même les services secrets vous disent qu'il y a 90% de l'information qui vient des sources ouvertes. Il suffit de faire un travail de chercheur d'or, de dépouiller l'ensemble de la presse française et étrangère. Alors la presse française, il y a une bonne partie des informations, mais vous savez, c'est comme certains poissons dont raffolent les Japonais. Quand vous connaissez bien les désinformateurs, c'est souvent là qu'il y a la meilleure information. Donc il suffit d'isoler le poison et on trouve un certain nombre de choses. Donc vous avez toute la presse française, toute la presse étrangère qui n'a pas du tout les mêmes biais que la presse française, n'a pas toujours. Et puis, on peut se constituer au fur et à mesure un certain nombre d'amis à travers le monde, journalistes, experts, défenseurs des droits de l'homme. Et enfin, depuis 10 ans, il y a des milliers d'Africains qui sont venus nous dire ce qui se passait chez eux et qui ne pouvaient pas publier. Et quand on croise ces 4 sources, on arrive à se faire une idée assez précise quand même de la situation. Sur les causes internes, vous avez tout à fait raison d'évoquer ça parce que j'étais tellement pressé d'arriver à la fin que j'ai oublié une précaution oratoire que j'utilise chaque fois, c'est de dire que je n'allais pas beaucoup parler des causes de la responsabilité des Africains dans cette situation, non pas qu'elles ne soient pas aussi importantes, mais parce qu'on vous en parle tout le temps, et qu'il me semblait utile de faire l'information sur dont on ne vous parle pas, c'est-à-dire les responsabilités de l'extérieur. Mais ce serait évidemment une forme de néocolonialisme à l'envers que de dire que les Africains n'ont pas une part importante dans cette situation. Alors, à ce propos, je voudrais dénoncer 2 armes extrêmement importantes, 2 armes idéologiques très importantes du néocolonialisme en Afrique. Et une troisième. La troisième, c'est le mépris, mais j'en ai déjà parlé. C'est-à-dire que quand vous discutez avec des gens qui opèrent ces manœuvres de la France-Afrique ou de la mafia-Afrique, ils ont un mépris incroyable de l'Afrique, un mépris invraisemblable. Ils disent l'Afrique c'est une page blanche, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de créativité politique et culturelle, etc. Ce qui est une connerie monumentale, c'est quand on connaît l'histoire de l'Afrique, mais en même temps, il y a un certain nombre d'Africains qui finissent par le croire. Et ça, se libérer de l'effet miroir de ce mépris, c'est un premier point extrêmement important. Le deuxième point, c'est que je vous ai expliqué qu'après la colonisation et l'esclavage, l'Afrique à hypertrophier ses solidarités de proximité. Elle doit reconstruire l'étage des règles du jeu et de l'échange et l'étage de son accès à la société monde. Or, il y a 2 idéologies qu'on inculque à l'Afrique et qui l'empêchent en permanence de sortir de là, qui la font retomber là-dedans. C'est l'idéologie qui consiste à dire la fatalité de la corruption. Parce que s'il y a fatalité de la corruption en Afrique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de solidarité possible hors de la famille immédiate et du clan, donc que l'Afrique n'est pas capable de reconstruire des règles du jeu, et que par conséquent, elle est condamnée à être toujours dépendante et à rester enfermée dans son rez-de-chaussée. Or, il y a tout un tas de gens qui vous disent « la corruption, c'est pas grave, c'est naturel, etc. etc. » Vous savez très bien que ce que l'Afrique a de valeur et de tradition, ce n'est pas le pillage, le mensonge, etc. On apprend autre chose. Mais après ça, on vous dit, vous ne pouvez pas fonctionner à l'étage supérieur sans la corruption. Tant que les Africains ne combattront pas la corruption en se disant, ce langage de corruption, c'est un langage néocolonial parfait, eh bien, il y aura beaucoup de mal à en sortir. J'en ai beaucoup discuté avec les Sénégalais qui ont réussi à renverser un système légitime, mais maintenant, ils sont confrontés à leurs propres problèmes. Comment ils vainquent la corruption ? Parce que s'ils restent dans la corruption, ils s'en sortiront pas. Et le deuxième langage idéologique, c'est le langage de l'ethnisme. On vous dit, vous ne pouvez pas fonctionner en dehors des solidarités ethniques. Mais si vous ne pouvez pas fonctionner en dehors des solidarités ethniques, c'est que vous n'êtes pas capable de mettre en place des règles du jeu qui permettent de les dépasser. Au Congo-Brazzaville, où il y a eu, pendant les 10 premières années, quand même un véritable effort d'indépendance. Il y a eu des syndicats qui se sont créés, par exemple. Ces syndicats étaient naturellement nationaux, transethniques. Eh bien, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent détruire les syndicats pour faire un syndicat par ethnie. Mais si on fait ça, ça veut dire qu'on enferme le pays complètement au rez-de-chaussée. Il n'en sortira plus. Donc, vous voyez bien que le langage qui enferme les gens dans la fatalité de l'ethnisme ou la fatalité de la corruption est le meilleur outil du néocolonialisme pour maintenir ces pays dans la dépendance.
Alors, sur le lien, ce lien, je le fais dans le dernier ouvrage, Noir Chirac, justement, le lien entre l'approche de Dominique Lorenz et l'approche de la France-Afrique. C'est en fait le lien des stratégies de la guerre froide. Mais je n'ai pas le temps de développer ici. Disons que je préfère vous inviter à le lire parce que ce serait trop long. Je mets 100 pages à expliquer tout ça, donc ce serait vraiment trop long. Mais ce que je décris pour le pétrole est vrai de toutes les matières premières. C'est vrai du scandale abominable de la destruction des forêts équatoriales, c'est vrai des diamants, bien sûr, c'est vrai de l'uranium, c'est vrai du cacao, c'est vrai de... je sais pas, moi, j'en oublie. Donc, ce système de pillage de la rente, c'est vrai de la pêche, par exemple, dans des proportions scandaleuses. Donc ce système-là, il s'applique à toute l'exploitation rentière des richesses de l'Afrique. Et la deuxième question, c'était... Oui, sur le tribunal pénal international, je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui sont sceptiques, mais nous battons énormément. Non pas, je ne parle pas du tribunal pénal international de la Haye ou tout ça. Je parle de la Cour pénale internationale qui va démarrer à la fin de l'année. Bon. Il faut savoir quand même... En termes de biens publics, c'est quelque chose d'essentiel. Quand il y a eu, en 1945, la réaction du monde entier après le génocide des Juifs, plus jamais ça, les pays ont été obligés de réunir la Convention de Genève contre le génocide. Et en même temps qu'ils mettaient en place cette Convention de Genève contre le génocide, ils envoyaient leurs meilleurs juristes pour la rendre inapplicable. Et donc la société civile, pendant 40 ans, a remonté la pente et tout un tas de gens se sont battus pour qu'on rende applicables les conventions de Genève. Et finalement, il y a eu la création d'une Cour pénale internationale qui va bientôt démarrer et que la France-Afrique a combattu avec la dernière énergie et que les États-Unis combattent. Donc tout ça, c'est plutôt bon signe. Pourquoi je ne suis pas sceptique par rapport à la Cour pénale internationale ? Parce que je crois à l'auto-évolution des institutions. C'est-à-dire que quand on crée une institution, au début, elle est très imparfaite. Quand on a créé la justice républicaine en France, vous croyez qu'elle ne privilégie pas les riches ? Elle commence toujours de manière imparfaite. Mais quand vous créez ce genre d'institution, peu à peu se décline un langage qui s'appelle le droit. Et peu à peu, on peut contester le droit, parce qu'on n'est plus tout à fait dans l'arbitraire, on est dans des procédures écrites, des procédures visibles, et donc, au lieu, si vous voulez, pour résumer, c'est un peu le sous-titre de mon dernier bouquin, c'est secret et impunité. L'impunité va avec le secret. Tout ce que je vous développe ici, c'est une perspective de bien public. Les biens publics, c'est pas seulement des biens pour tout le monde, c'est des biens qui se débattent en public. Et par conséquent, une justice même imparfaite, elle se débat en public. Et quand vous êtes en public, vous gagnez déjà beaucoup de choses, parce que quelque part, vous pouvez combattre l'impunité. Et pourquoi j'écris Noir Chirac ? Parce que Noir Chirac est au cœur d'un certain nombre de mécanismes secrets qui lui valent toute son impunité. Et donc, l'enjeu principal, avant d'obtenir des choses, c'est de se battre contre tous les systèmes d'oligarchie qui veulent faire fonctionner l'économie et la politique dans le secret, sans parler du militaire.